Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter ce petit album. Donc je vais changer un petit peu le format. D'habitude, je fais la présentation et le tuto dans la même vidéo. Mais là, on va les faire en séparé. Donc vous aurez le tuto qui suivra dans les prochains jours. Donc normalement, peut-être même demain ou après-demain. On verra. Alors du coup, je vous présente cet album. Donc avec un très joli mot. Escapade au soleil. Donc ça a été réalisé principalement avec du matériel de la Fée du Scrap. Donc j'ai utilisé la collection Un air tropical. Ce papier là, c'est du papier de chez Clairefontaine qui est la couleur rouge cardinal. Et le noir, c'est aussi du papier de chez Clairefontaine. Toutes les petites découpes sont de la collection et les papiers déco également. Donc, vous voyez, l'album se présente comme ceci. Là, on a également le combo couleur. J'aime bien des fois l'ajouter aux embellissements comme ça. Je trouve ça assez sympa. On a des petits brillants ici pour agrémenter un petit peu. Et la découpe bois donc, qui m'avait été offerte dans une de mes commandes. Et vous voyez, donc j'ai fait mon montage de petites découpes. Et ensuite, je l'ai maté en fait sur du papier noir. De façon à ce que ça ressorte un petit peu mieux. Donc je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Ce que ça donne. J'aime bien les couleurs de cette collection. C'est assez vif. Ensuite, sur le côté, j'ai simplement mis un joli papier déco, le même de chaque côté. Voilà. Et donc, c'est un album qui va se présenter comme ceci. Donc, je vous explique le principe. Donc là, ça s'ouvre avec des scratchs. Hop, et on a donc les rabats comme ceci. On pourrait rajouter quelque chose ici, mais j'avais envie de rester assez neutre. Pour pouvoir y mettre une première photo ou voilà, mais je voulais pas charger dans la couverture. Alors ici on a un premier une première décoration. Donc voilà, ce sont des mots avec écrit vacances, paysage paradisiaque, plage, coucher de soleil, palmier. Voilà. Et donc des petites chutes de papier et encore des petites découpes. Sur la tranche, j'ai décoré avec un papier qui me fait un peu penser à des pastèques. Et le même de ce côté-là. Ensuite, en fait, le principe, c'est qu'on va ouvrir une fois à droite, une fois à gauche, tout simplement. Donc ici on a un premier rabat donc qui s'ouvre avec comme ça. Donc là pareil, un petit ensemble juste histoire d'agrémenter un peu. Mais je veux laisser de la place aux photos, hein, donc il n'y a pas énormément de décoration à l'intérieur. Ici on a une pochette qui peut quand même contenir pas mal de choses et dans lequel il y a deux petites cartes comme ceci. Hop. Et ici, on a un rabat. Des ananas. Et de l'autre côté, on a à nouveau une pochette avec encore deux cartes, une plus petite que l'autre. Donc l'avantage, c'est qu'on peut venir rajouter des photos en fait directement dans les rabats également si on le souhaite. Ici, enfin ou même rajouter juste un papier noir, mettre des photos dessus et venir compléter dans la pochette directement. Ici, on a encore un petit ensemble de découpes et une double page comme ça
Et là, enfin les vacances. Au milieu, on a deux petits rabats. Donc avec ici un petit timbre perroquet. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et celui-là, il s'ouvre dans l'autre sens. Donc là, avec le cocktail. Voilà. Hop. On ouvre, on continue. Ici, à nouveau, un rabat dans ce sens-là. On ouvre. On a un ensemble ici avec un perroquet. Et là, quand on ouvre à la fin, on a une pochette. Donc ici, voilà, c'est juste une pochette, hein, il n'y a pas de... ça s'ouvre pas. Avec à nouveau deux petites cartes. Donc les cartes, on peut s'en servir soit pour mettre à nouveau des photos, bien entendu, soit pour venir écrire un petit peu des petites anecdotes, des petites choses qu'on a envie de retenir. Des petites choses comme ça. Donc en termes de dimension, c'est un album qui fait à l'extérieur 17 cm par 17 cm. Et le plus grand rabat, hop, celui-ci, il fait 15 par 15, à peu près. Donc je vous remontre juste le fonctionnement principal. En fait, c'est que voilà, on ouvre à gauche, droite, voilà. Et à chaque fois, vous voyez, on ouvre d'un côté et de l'autre. Hop, jusqu'à arriver au milieu. Et du coup, tout le reste, vous voyez, ce sont simplement des rabats et des pochettes. On va refaire un album comme ceci en tuto, donc dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à rester abonné pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que vous aimez cet album. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!